piste de 2 heures de froid au parking du Lidl. Piste niveau 3, un petit kilomètre. Obligé de conduire court, il y a du monde. Donc moi je suis passé au milieu de parking, mais ça n'est pas logique qu'il fasse ça. Voilà, là il est pile foulement. Stop, pas bouger. Obligé de faire un stop. Moi j'ai marché à droite. Ça circule pas mal. Stop. Alors il voulait traverser, je vais l'aider. Pas bouger, pas bouger. Très bien, garçon. L'objet est assez proche. Lui à moitié longe. Oh non, il va pas me faire ça. Le relou. Il va revenir en ici. Voilà, vraiment, embêter le monde. Après, l'objet un peu diffusé là, il est à droite. Stop! Pas bouger. Pas bouger. Ouais, je vois l'objet. Le vent fait que ça l'envoie là, c'est sûr. Donc il a l'objet déjà dans le... On va y aller après celle-là. Eh bien, nous. Bon, le plastique, il ne fait jamais très bien. Ah, s'il l'a détecté après. Et... Ah, ça c'est bien mon nounou. C'est très bien, hein. Bien fort nounou, hein. Nounou est en grande forme. Pas bouger, hein. Pas bouger. Oh, j'ai une contracture au jambier intérieur. Tu veux aller chez les policiers? Ils ont des problèmes en ce moment, les policiers. Je peux pas laisser beaucoup plus de long, ça circule trop. Donc on va passer près des chenilles de l'école de police. Je laisserai un petit peu plus de long dans l'autre rue. Pour lui, 2 heures avec cette température, c'est du chaud. Ça commence à se durcir après, à partir de 3 heures. Ça tourne à droite. Ça va être un petit peu plus calme. C'est marrant parce que Coulty avait fait exactement pareil. Exactement la même réaction. Comme quoi les configurations ont généralement les mêmes choses chez les chiens. Et pareil, j'ai marché à droite et Coulty marche à gauche.
Voilà, ça c'est de ma faute hein, parce que je ne les sors pas avant. C'est pas... On va les fermer sur le bon trottoir. On commence à entendre les chiens. Ah, on a quand même quelques distractions. Odorante. Si ça n'est pas trop en général. Ça, cette deuxième ligne est moins belle. Hein. Je travaille, hein, mais sur quelques mauvaises odeurs. Là, ça va partir à droite. Globalement, là, on a un vent de face. Hein. Et là où Kulti avait fait sa belle quête haute, j'ai mis un objet en plus pour qu'il le fasse encore mieux Kulti. Moi, je suis rentré là. Donc là, il dépasse. Il y a les chiens du chenil qui gueulent. Il y a une voiture. Stop, pas bouger! Donc là, je lui indique un peu, mais il y avait une bagnole. Il est sur le flottement. Il s'interroge avec les chiens qui courent. Un objet dans le buisson. C'est marrant, Kulti avait fait exactement ça, quasiment. Donc là, il remonte le flottement. Il percute et il va faire la même quête circulaire. C'est extraordinaire de faire passer ces chiens sur le même parcours. Donc là, il y a un objet en l'ouvre. Donc là, il s'excite, l'herbe, il aime bien. Hein, voilà, on est... Il fait... Bravo, mon chouchou! C'est bien, ça! Ah, il est petit coton, il est petit coton! Il est content, le petit chien. Tu crois que tu mérites? Donc là, j'ai changé un petit peu par rapport à Kulti. J'ai été en face dans le quartier pavillonnaire. Ça circule un peu moins. Voilà, pas ouragan dans l'herbe, hein, ça va très vite. On sent bien, le vent de face est assez fort. Avec Kulti, j'étais parti là. Il va aller moins vite dans les pavillons. Il y a un objet pas loin. Il a détecté l'objet. Ah, il a été ramassé, il était là. C'est le jeu. Donc là, ça va là-bas.
Là, le vent pour lui. Voilà, dès qu'il y a un espace ouvert, c'est plus dur pour le chien. Je pense qu'il cherche son objet. Il est un peu dégoûté. Il y a un objet caché dans les feuilles à 150 mètres. Ah ben c'est nettement plus agréable, ça va moins vite. Il est un peu agacé. Hein. Ça c'est la voiture d'un chasseur. Il y a la cage. C'est très perturbant pour moi parce qu'il est ni collé au sol. Joli ces zones. Ouais, normalement il fonctionne pas comme ça au ragon. Surtout qu'il a un vent de face. Je pense qu'il est énervé de ne pas avoir fait son objet. Il est sûr de lui, autant il lève la tête. L'objet caché est à droite de la voiture grise, dans des feuilles. On n'est pas bien parti pour le faire. Bon. Ça sent mauvais. C'est pas grave. Ah, moi qui soit là, je sais plus. Peut-être là. On a dû le passer. Pas de chance pour nous. Travail. Bonjour. Il y a la rivière. Ça n'est pas trop. Il y a 2 mètres. Je vais être hésitante. Là, il y a la rivière. Il l'a passé. Il y a mon bonheur. Je sens que je le vois dans le dos. Bravo mon chouchou. Tu es bien. Oui, t'es sûr de toi. C'est bien. C'est bien, t'as pas eu de chance, hein. Oui.